suivrez l'œuvre entreprise par mon frère William. Et oui, il y aura de nouveau un Sheridan à la Maison Blanche. Est-ce que vos gratte-papiers du FBI sont de taille à arrêter les assassins de Sheridan, colonel Amos? J'en doute. Gardez vos impressions pour vous, général Carrington. Vous savez, une investigation a besoin de preuves pour avancer. Je vais mener ma propre enquête et personne ne m'en empêchera. Vous m'entendez, Amos? Personne! Numéro 13 ne sera bientôt plus un problème. Messieurs, nous pouvons lancer les opérations. Allô, Frank ? C'est Janet. Je viens de terminer ma ronde. Tu as encore besoin de moi dans le secteur ? Ok, je rentre au QG. On dirait que la journée s'annonce plutôt calme, hein ? Tu as vu la mer ce matin ? Mais qu'est-ce... Attends, je te rappelle. Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Doucement. On dirait une blessure par balle. Essayez de bouger vos jambes. Je ne me souviens de rien. Vous pouvez marcher jusqu'au pick-up? Hein? L'hélicoptère. Je me souviens. Ils sont mêlés. Le bateau immédiatement. Équipe, tu m'entends? Fouillez toutes les cabines! Vous êtes là? Je vais vous conduire au poste de secours. Essayez de marcher. Attention! Oh merde! Hélène, c'est Janet. Je viens de récupérer un blessé sur la plage de Brighton. Il n'a aucun papier sur lui et il ne se souvient de rien. Je voudrais lui faire passer un scanner rapidement. Tu as un créneau ce matin? Dans une heure. Parfait, je te l'amène. Alors, toujours aucun souvenir? Regardez, j'ai trouvé cette clé dans votre poche. Ça vous dit quelque chose, la Winslow Bank? Tenez. Qu'est-ce que c'est? Allô? Ouais, c'est pas le moment. Pas bien la mangouste, on va retrouver la cible. Je te rappelle dès qu'on l'a eu. Amenez-vous les gars. Il est en vie, mais dans un sale état. Bouge pas! Tu vas me payer. Merde! Ah
Veuillez vous présenter au guichet, monsieur. Monsieur Roland, cela fait si longtemps. Vous désirez consulter votre coffre, je suppose. Puis-je récupérer votre clé? Si vous voulez bien me suivre. Comme vous pouvez le constater, le système de sécurité de la banque a été renforcé. Depuis l'assassinat du président, tous les établissements ont fait de même. Hello, James. Monsieur Roland voudrait accéder à son coffre. Bonjour, monsieur Roland. Il se trouve toujours au fond de la salle. Appelez-moi dès que vous désirez sortir. La minuterie. Harrington avait raison. Ils ont mordu à l'hameçon. Regarde toutes ces preuves. Ces documents ne doivent pas tomber entre leurs mains. Et on les aura. Du numéro 20 au numéro 1. Et ta mission sur ce mystérieux bateau? Tu veux toujours pas m'en parler? Si c'est encore l'idée de cette fille, à ta place, je me méfierais. Je ne la sens pas. Vas-y, amorce la bombe. Je ne comprends rien au système de sécurité. Comment on a... Je demande du renfort. Tirez la vue, les gars!
Oui. Vous êtes poussé? Je vous répète que numéro 13 est toujours en vie. Prévenez la mangouste et le rappelez ici immédiatement. Bande d'amateurs. Et qu'on arrête cette alarme! Je n'arrive pas à me concentrer! Oh, mais que ce braqueur prenne un otage! Et qu'on arrête cette alarme! Je n'arrive pas à me concentrer! Un otage et qu'on a...
Steve Roland. Je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. Steve Roland. Je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. Vous avez le droit de garder le silence et de refuser de répondre à mes questions. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre... À quoi bon un avocat? Je ne me souviens de rien. Je lis votre déposition, vous ajoutez même « ne pas vous sentir l'âme d'un meurtrier ». C'est touchant, mais vous conviendrez que je ne peux pas me contenter de tels arguments. En revanche, j'ai ici une preuve accablante. Emery, les images s'il vous plaît. Regardez ce cliché. Vous voyez l'impact derrière la tête. D'où la balle est-elle partie, à votre avis? L'immeuble, là. Regardez. Pile dans la trajectoire. Et qui voilà? Bien. Dois-je aller vous chercher un miroir? Ou allez-vous enfin avouer l'assassinat de... Agent Scott sur la une. Alors, ce dossier? Mauvaise nouvelle, colonel Amos. Le dossier militaire de Steve Roland a disparu du Pentagone. Là-bas, ils affirment que votre homme a bien été tué lors d'une mission il y a plus de 2 ans au Mexique. Eh bien, on va pouvoir rassurer la veuve. Mais en attendant d'annoncer votre résurrection, capitaine Roland... Que se passe-t-il ici? De te retrouver, Steve. La mangouste a retrouvé. Rejoins-moi sur le toit de l'immeuble. Mais pas de carton sur les agents du FBI, hein? La fille de la banque. Non. Plaisante. Tu fais sauter la porte ou... Hein? Quoi? Hein?
le plancher. Tu n'as pas l'air ému de me retrouver. Tu disais la vérité, alors. Tu as réellement perdu la mémoire. Mais qui êtes-vous ? Je suis le Major Jones, l'ordonnance du général Carrington. Ça ne te dit rien ? Carrington a disparu depuis 3 jours. Il menait une contre-enquête sur l'assassinat du président Sheridan. Lui seul peut prouver ton innocence. Ne restons pas ici. Il faut escalader ce mur. Je passe devant. Nadi doit me contacter d'un instant à l'autre. Il sait où Carrington est séquestré. Là-bas, avec un phare. Tiens. Ils sont trop loin. Sers-toi de la lunette pour viser. Descends de l'autre côté. Je te couvre. Se présente aux élections présidentielles contre l'actuel président, le candidat républicain Joseph Galbraith. Prends ton élan. Mais de qui
quel sens de l'honneur tu parles? Arrête les westerns, mon gars. On va la conquête de loin. Putain, derrière toi! Les cow-boys ne sont plus ce qu'ils étaient. Moment d'admirer la vue. Amène-toi. Quelle galère! Si seulement je t'avais accompagné sur ce bateau. Jones, vous me recevez? J'ai l'info. Je vous écoute. Carrington a été mis aux arrêts par le général Stanwell. Il est séquestré à Emerald, une base militaire complètement isolée dans les montagnes Appalaches. Il me reste à découvrir pourquoi Stanwell veut tenir Carrington à l'écart des bases. Je t'assure qu'ils sont là-dedans! Pas loin avec cet appareil.